Salut les Breakers, allez, jour de finale, je suis à Saint-Priest au premier CNGT de l'année 2022. J'ai battu hier, donc vous pourrez voir sur le vlog dernier, j'ai battu Yannick Jankovic, ancien numéro 27 français, Rémi Boutier, ancien numéro pareil 28 français. 6-3, 6-3 les deux, super match, super content. Je me suis réveillé ce matin tranquillement. Je joue à 14h contre Adrien Goba qui est classé moins 15, qui a battu Joe Tatlo numéro 29 et Hugo Voljak numéro 61. Gros match en perspective. C'est jamais évident d'être favori et de jouer contre l'outsider au niveau du classement sur le papier. Donc je suis allé prendre le petit déjeuner ce matin tranquillement. Je joue à 14h, donc j'aimerais bien avoir fini de manger 3h avant. Donc je vais aller au club et essayer de manger vers 11h pour finir à 11h10, quoi, 11h15. Je me suis un peu étiré ce matin, j'ai les jambes un peu lourdes. Deux matchs en une journée, c'est jamais évident, ça faisait longtemps. Donc voilà, je vais m'échauffer vers 13h15 pour finir à 13h45 et pour me laisser un quart d'heure de marche pour me reposer un peu, faire mon sur-grip, pour écouter un peu de musique, enfin voilà, pour me détendre tranquillement. Et puis match à 14h, je vais filmer tout ça bien entendu, à tout à l'heure. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Jules Marie, j'ai 30 ans, je suis numéro 39 français actuellement, mais les classements changent en une petite semaine, donc ça va sûrement bouger. J'ai été numéro 29 français, donc la première série, et 228e joueur à l'ATP en 2015. J'ai participé deux fois au qualif de Roland-Garros, 2013 et 2015, et j'ai battu 7 joueurs dans le top 100 ATP, comme Andújar, Pair, Barrère, Haase, Robredo aussi. Et je fais aussi sparring partner des meilleurs joueurs du monde, comme Roger, Djoko, Rafa, Murray, etc., à Roland-Garros. Et sur cette chaîne, je vous donne plein de conseils, tactiques, mentales, physiques, etc., voilà, techniques aussi, pour que vous puissiez aussi progresser et prendre 1 à 5 classements par an. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de suivre, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. À toutes les breakers. Allez, match dans 1 heure et je suis avec un breaker. Comment vous vous appelez? Didier. Didier, donc qui suit apparemment la chaîne, c'est ça? Ah ouais, toutes les semaines. Enfin, Voilà. quand ça sort en tout cas. Quand ça sort, donc là, la prochaine sort lundi. Et donc, vous êtes venu voir la finale de Saint-Priest, c'est ça? Eh oui, c'est mon club. Enfin, c'était mon club avant. Ok, Voilà. d'accord. Et vous êtes classé combien au fait de tennis? 15-3. 15-3. Bah, c'est bien, 15-3. On peut déjà Ah, bien pour un s'amuser vieux, déjà. C'est bien. Pour un vieux, c'est bien. Ah, vous n'êtes pas si vieux que ça. 53. Ah, bah, 53, c'est jeune encore. Ah, ouais. 12 ans de tennis d'ailleurs. Et donc là, j'ai vu, il y avait des finales vétérans là, vous avez pas fait? Non, j'ai pas fait cette année, je suis blessé au genou. Ah, ça c'est chiant. Ouais. Bon, bah très bien. Bon, bah écoutez, j'espère. Vous allez m'encourager tout à l'heure? Ah, un petit peu quand même. Bon, bah super, moi j'aurai au moins un supporter. Voilà, exactement. Allez, à tout à l'heure. Le tournoi en France. Le premier joueur à entrer sur le terrain nous vient de Paris. Il a 30 ans, actuel 39e français, tenant le titre de sélection du tournoi, Jules Marie. Thank you.
victoire sur ce premier CNGT de l'année à Saint-Priest. CNGT 1 étoile contre Adrien Goba en finale. Match ultra difficile. J'ai lutté et j'ai fini par gagner. Début de match difficile, je me fais breaker d'entrée. 1-0 pour lui, serre, 2-0. Donc déjà, ça part assez mal. Il y a le jeu à 3-2 où il serre au premier set, ça a duré, je pense, 20-25 minutes. Il y a eu peut-être 10-15 avantages égalité. Et je ne l'ai pas pris, je perds 4-2. Et derrière, je serre et 0-15. Donc là, ça met un petit coup derrière la tête quand même. Mais je suis resté calme, je suis resté zen. Voilà, il y avait énormément d'échanges. Il jouait super bien, il était complet. Il fait tout bien. Il montait au filet quand il fallait. Il faisait pas de faute. Enfin, voilà. C'était vraiment très, très dur. Il fallait vraiment trouver les outils tactiques pour gagner. Et mine de rien, physiquement, j'étais mieux que lui. Après le premier set, j'en ai profité, je l'ai breaké d'entrée au second set. J'ai été un peu plus agressif, notamment en coup droit, j'en voyais un peu plus. Et puis voilà, hein, deuxième set 6-2. Et puis troisième set, je lui ai montré dès le premier jeu, j'ai lâché 2-3 allées, 2-3 common. Je lui ai montré que je voulais vraiment gagner, que j'étais déterminé. Alors certainement lui aussi, mais voilà, j'ai mis un petit langage corporel positif, voilà, qui montrait que j'avais envie et que j'allais gagner, enfin que j'allais pas lâcher un point quoi. Et donc voilà, donc j'ai gagné 6-3 au troisième set, donc super content. Je m'en suis surtout sorti mentalement parce qu'il y a 2-3 fois quand même où j'ai pris 2-3 coups derrière la tête avec des jeux que je perds, des balles que je perds importants, mais voilà, je suis resté calme, avec des objectifs bien précis dans la tête que j'ai su garder tout au long du match. Donc voilà pour cette analyse. Analyse pas à chaud parce que ça fait 2 jours que le tournoi est fini. Voilà, je me suis posé un petit peu, j'ai réfléchi un peu à ce tournoi, à ce match, pour vous faire une analyse. Voilà les Breakers, prochain tournoi pour moi c'est à Évry, c'est un CNGT 2 étoiles qui est dans 2 jours. Et une dernière chose mon breaker, si tu veux rentrer dans les coulisses de mon entraînement et découvrir mes meilleurs conseils pour progresser techniquement, tactiquement, mentalement et physiquement et encore dans plein d'autres domaines, j'ai créé il y a quelques semaines ma propre académie 100% en ligne de tennis. Dedans, tu as accès à l'intégralité de mon catalogue de formation et tu vas pouvoir enfin battre les joueurs que tu n'arrives pas à battre et atteindre le classement que tu mérites. Ça représente environ 80 heures de formation et ça continue de grandir puisque je rajoute pour toi une formation toutes les 2 semaines. Les membres de l'académie ont par exemple accès à la formation La Perf, la méthodologie exacte pour monter en seconde série et se sentir injouable sur le terrain. Si tu veux les rejoindre, clique sur le lien en description. Si tu es sur smartphone, tu as juste à cliquer sur la flèche à droite du titre et tu verras le lien « Salut mes breakers ». ».